Please be seated. The President, the court is back in session. Le président, l'audience est reprise. Response by the prosecution and the Il est prévu d'entendre à présent la réponse de l'accusation et de la partie civile. Concerning the documents submitted by the defense team. Et ce, concernant les documents déposés par les différentes équipes de défense. Both the prosecution and the civil party Avant la pause, cependant, tant l'accusation que la partie civile ont indiqué clairement ne pas avoir l'intention de soulever des objections concernant les documents de la défense. Now I turn to the prosecution. La parole va à présent être donnée à l'accusation. Provide response. Qui aura l'occasion de répondre aux arguments de la défense to be put before the chamber. Concernant le dépôt des documents. Now I give the floor to the prosecution. La parole est à l'accusation. To objections against the qui pourra répondre aux objections soulevées documents par la défense submitted by et the visant teams. Les before, documents. We turn the floor to the prosecution. We would like to ask the Avant prosecution as to how much time we need to raise this objection. Voudrais lui demander de combien de temps elle aura besoin. Thank you, Mr. President. The way in which we propose to deal with Merci, the objections Président. Is for my colleague to first déposées, respond in relation tout to d'abord, a number mon confrère va répondre thematic matters au sujet following which des we différentes will make questions thématiques. Submissions in response Après quoi, on nous allons each of the annexes. Répondre and we concernant will do so, chaque annexe. If you like, in three et nous allons we propose to do so in three separate sessions. We think we can complete trois fois. The first session today. Nous pensons pouvoir terminer la première partie aujourd'hui. The second session. We will certainly complete most likely both the second Peut-être même and the commencer third la deuxième partie. Part of our responses nous devrions tomorrow. Terminer les so that, deuxième et troisième parties again, most likely, demain. We would be in a position et donc, to hand over to the civil en party, principe, nous pourrions lawyers, laisser la parole à la partie civile, either at the end of tomorrow, soit perhaps, demain en fin d'après-midi, at the start of proceedings soit on Thursday. Au début that's, de l'audience that's the way we propose, jeudi. Voici la manière dont nous entendons And I guess that just means, and this is why I was raising the matter just before we broke. J'avais d'ailleurs soulevé la question avant la pause. May, then with the civil parties' responses, we would conclude the anticipated proceedings for this week. En disant civil parties can obviously speak for themselves. I believe they only need approximately 1 hour, so we may finish early on Thursday. Intervenir de manière à ce que nous terminions plus tôt que prévu l'audience de cette semaine. Apparemment, la partie civile aura besoin d'une heure, mais ce sera à elle de le préciser le cas échéant. Et il est prévu donc de terminer plus tôt que prévu jeudi. Le président. La parole est à l'accusation. Som korop lok prathean lok lok srey chakram Mr. Wayne Hood. Monsieur Wayne Hood. Your honors, members of the bench, colleagues and everyone. Madame, messieurs les Good juges, morning. Mesdames et messieurs. Before The prosecution respond to the specific defense objection Avant de répondre aux objections soulevées par la défense,
telles qu'elles ont été présentées jusqu'ici. J'ai quelques observations à formuler brièvement concernant les principes juridiques qui trouvent à s'appliquer en l'espèce. Nous allons également parler des éléments de preuve dont est saisie la Chambre concernant les sources primaires des documents énumérés dans la liste des documents des coprocureurs se rapportant à la première phase. Again, I will also outline the evidence which is before the chamber regarding the primary sources of the materials listed in the co-prosecutor first phase document list. We feel this short recap may be of assistance que cette to the chamber, récapitulation since this is the last set of documents hearings on phase one documents. De la dernière série d'audiences relatives aux documents de la phase 1, compte tenu du fait aussi qu'un grand nombre d'arguments ont été présentés devant la Chambre à ce jour. The legal principles. J'en viens aux principes juridiques qui trouvent ici à s'appliquer. De toute évidence, le point de départ, c'est la décision rendue par les juges concernant l'application de la règle 87 du règlement intérieur en ce qu'elle concerne l'authenticité, la pertinence et la fiabilité des documents. As your honors have indicated, comme les juges l'ont indiqué, c'est à la règle 87 du règlement intérieur que sont énoncés les critères juridiques régissant la recevabilité des documents et des éléments de preuve devant les CETC. En application de la règle 87.1, il existe une présomption générale selon laquelle tous les éléments de preuve sont which provides an exhaustive cette list règle générale of est ensuite circumstances par in la which règle the chamber may reject 3, a request for evidence. Une série de cas dans lesquels la Chambre peut rejeter des in éléments applying de preuve. These provisions in case 001, la liste in decisions E43/4 and E176, the chamber adopted dans le cadre an approach du dossier consistent numéro 001 with international et des décisions E43/4 et E176, la Chambre a appliqué ces dispositions de manière conforme à la jurisprudence internationale. La Chambre a interprété la règle 87.3 comme signifiant que les éléments de preuve devaient satisfaire à certaines normes minimales de pertinence et de fiabilité. Dans le dossier 002, la Chambre a fourni d'autres indications dans son mémorandum daté du 31 janvier 2012, à savoir le document portant la cote E162. La Chambre which y a is indiqué que les éléments de preuve proposés devaient reliability à première and vue, répondre à certains critères de pertinence, de fiabilité et d'authenticité. Thus, the chamber indicated la Chambre a ainsi indiqué que si clearly un document manquait manifestement de fiabilité, y compris d'authenticité, considered to be il pouvait unsuitable être considéré comme insusceptible prove de prouver ce qu'il entend établir. This also reflects the core legal ceci principles on which the co-prosecutors have relied in previous written and oral sur submissions, les co-procureurs the relevant dans standard le dépôt de for reliability, relevance and authenticity at this stage qu'à ce stade, is les critères pertinents en matière de fiabilité, de pertinence et d'authenticité étaient des critères existants à première vue. Prima facie, of course, means prima facie on the face of the document. Veut dire à première vue. It means that
At the point of admission, your honors are not required to be satisfied as to the exact origin, provenance, chain of custody, or form of the document. As to whether être satisfait an original quant à l'origine, la provenance, la filière de traçabilité ou la forme du document, à savoir son caractère original all that is required ou de copie. Is that you are satisfied les juges that on its doivent face, simplement the evidence appears considérer to be relevant, qu'à première vue, reliable and authentic. L'élément de preuve semble pertinent, fiable et authentique. The relevance, of course, relates to whether or not the document relates to an issue in la the trial and tends to support the moving party's le point position. De savoir si un document donné est en rapport avec les questions à l'examen et tend as for authenticity and reliability, we submit that prima facie means quant à l'authenticité that you et à la simply need to be satisfied selon nous, that the evidence appears to be what it purports vue, to be. Cela veut simplement in other words, dire que les juges that it does doivent not appear être convaincus to be fake que les and that éléments it has de preuve a minimum level of probative value. Ce comme quoi ils sont présentés. Autrement dit, qu'apparemment ces documents ne sont pas des faux et qu'ils présentent so all un degré minime is de valeur sufficient indicia of reliability. Des indices de fiabilité suffisants, voilà la seule condition à remplir. Your honors provided a helpful illustration of this standard in memorandum E162. Dans leur memorandum Your Honor stated that where a document does not appear to be a forgery la chambre y a indiqué or que unrepresentative lorsqu'un of the original, the chamber shall consider that document to be have been put before it, apparemment that is, the document is prima facie authentic and reliable par rapport à because it is not la chambre on its face considérera a forgery. Que le document en question a été produit devant tel. Autrement dit, que le document est à première vue authentique et fiable, au motif qu'à première vue, once ce n'est pas a document un faux. Is put before the chamber and admitted une into fois qu'un evidence, document est produit as your devant honors la indicated et in the memorandum, admis en tant qu'élément de preuve, any further submissions as to reliability toute observation will go to complémentaire the weight to be accorded quant à la fiabilité to the evidence. Similarly, you held in your judgment in case 001 at paragraph 42 that à la pièce en question. Ceci the assessment of probative value de même, of evidence would take place once the evidence has been admitted. Au paragraphe 42 du jugement, la Chambre a considéré que l'évaluation de la valeur probante des éléments de preuve the reason we are highlighting interviendrait this distinction is because après many of the submissions we have heard la pièce en question from the defense do not in fact recevable. Go to the admissibility si nous but rather attirons to l'attention the weight sur cette distinction, of the evidence. C'est parce que bon nombre des arguments avancés par la défense ne concernent en réalité pas la recevabilité, mais plutôt le poids for example, à the question of whether the contents of a document describe an event correctly, or whether the author had direct knowledge of the event exemple, he or she describes, à savoir, le point these de savoir are all si questions un document that go to weight, correctement which un événement you donné, would ultimately ascribe le point de savoir to the document. Si l'auteur du document a eu une connaissance directe but des événements qui y sont do not décrits. Preclude the admission of the document unless, of course, it is completely devoid of any probative value. Que les juges seront amenés à accorder au document à la fin du processus. As indicated earlier, mais another aspect of the legal position on the admissibility of evidence at the international level and before the ECCC is that there is no requirement to provide comme the original of a document. The Chamber has ruled that original documents CETC, are a preferred method of proof, documents, but not the only form in which evidence can be admitted. De présenter un original.
La Chambre it is perfectly acceptable to admit photocopies que les where they are prima facie authentic and reliable. Préférable à des copies, mais que la forme originale the Chamber has indicated that originals will acceptable. Be accorded more weight il est parfaitement acceptable d'admettre des photocopies lorsqu'à première vue elles sont authentiques et fiables. Preferential treatment la Chambre also be extended to photocopies where the originals are in a known location aux and no party aux has submitted reasonable grounds to show that the photocopies are not selon true nous, copies of the originals. Un tel traitement préférentiel devrait également s'étendre aux photocopies lorsque l'on sait où se trouvent les originaux et qu'aucune partie we have explained these submissions in more detail in our filing document E168/1 dated the 20th of February 2012. Nous avons expliqué notre position de façon plus approfondie dans les documents E168/1 The Chamber has also made it clear in its recent decision that dans sa décision for the récente, purposes of admission la Chambre a également it is not necessary to call witnesses with personal knowledge to authenticate materials on the case file. Des témoins ayant une connaissance personnelle pour authentifier les pièces versées au dossier. There is no need de même, to establish the chain of custody of a document. D'établir la filière de conservation d'un document. Your honors have held that instead les juges evidence as to provenance and chain of custody que will assist the chamber in assessing the weight to be ascribed à la filière to de conservation the evidence. Aiderait la chambre à déterminer le poids à accorder à la pièce en question. We have already made submissions as to the provenance and chain of custody of a number of our proposed documents in our filing E158 dated the 23rd of December 2011 and in the previous document hearings. Et nous avons également fait des observations in addition, à ce sujet and as I will discuss a little later, you have already heard the testimonies of outre, Chang Yuk and Van Tandarapel as to the provenance of the documents collected by DCCAM. And of course, your honors, in the upcoming segment, bien entendu, we will hear from numerous venir, communication and administrative structure witnesses who will be able to give evidence regarding contemporaneous documents which have been proposed ces témoins pourront déposer concernant les documents contemporains que nous avons l'intention de verser we au débat. We say that all of this information is more than sufficient selon to establish toutes the prima facie sont largement relevance, suffisantes reliability and authenticity pour of all the documents remplir les we critères have proposed de for this first phase fiabilité of the trial. Et authenticité à première vue de tous les documents que nous proposons pour la première phase du procès. We refer earlier to your honor's approach in distinguishing nous between issue of admissibility and weight of evidence. Avait établi une distinction this entre is fully consistent la de la with the approach taken by the international tribunals in various preuve. Decisions ceci issued by the ICTY trial chambers. Dans the practice has been to distinguish clearly between the prima facie standard applicable at the point of admission of evidence entre and le the subsequent detailed assessment of the weight and probative value de of that evidence. La recevabilité d'un élément de preuve, à savoir le critère applicable à première vue et, d'autre part, honors, l'évaluation du poids et de la valeur probante returning à accorder to the standard for admissibility, à présent, j'en reviens au critère à appliquer it en must matière also de recevabilité. Be kept in mind that criminal il ne justice faut pas systems oublier of Cambodia que le système derived from the civil law system. Cambodgien the procedure applicable at the ECCC is strongly influenced by the French criminal code, germanique. Which les procédures applicables devant les CETC sont fortement influencées par le code pénal français, lequel evidence. Intègre le principe de la libre évaluation des éléments de preuve. This principle allows
for a low ce threshold on admissibility la fixation d'un seuil de recevabilité moins élevé ultimately assessed dès lors by the judges que to arrive at toutes les éléments de preuve seront appréciés en fin de processus par les juges afin de déterminer la valeur probante ou le poids à accorder à chaque pièce. Another reason specific to the civil law system which supports a low threshold for admissibility is that the evidence on the case file has been collected and reviewed by impartial and independent investigating judges. À savoir so, que all les éléments de preuve versés au dossier ont été recueillis et examinés par des juges d'instruction qui sont impartiaux et indépendants. Autrement dit, that must go some toutes way les pièces déjà versées au dossier ont déjà fait l'objet we recall that the co-investigating judges refused légale. To admit a number of items on the case file where ceci they found them to be irrelevant or otherwise not conducive to the ascertainment prima of the facie. Truth. Il faut rappeler que les co-juges d'instruction ont écarté un certain nombre de pièces lorsqu'ils ont considéré qu'elles n'étaient pas pertinentes ou qu'elles ne contribuaient pas à la manifestation de la vérité. This chamber is comprised of une qualified partie des éléments de preuve judges. Acceptés par les co-juges d'instruction sont à présent présentés à la chambre de première instance. As ce sont des juges professionnels et chevronnés qui siègent. To consider each piece of evidence and give it the weight that it deserves, d'examiner chaque élément de preuve et de lui accorder the un poids totality donné, of the documentary evidence, du contexte, the testimonies of witnesses, de l'intégralité and the submission des of the parties. Preuves documentaires, there is des no dépositions risk des témoins that the admission et des observations of des parties. An evidential item, which in the end is found to have low probative value would be prejudicial to the accused. Il n'existe aucun risque que l'admission d'un élément de preuve this principle has been upheld over and over again by international courts. Préjudiciable pour les accusés dès lors que la valeur probante en sera déterminée à la fin du procès. Prosecutor et que versus Normand in the Special Court for Sierra Leone Trial Chamber held on the 11th ce of March 2005 a été à that judges par les tribunaux sitting alone dans l'affaire, le procureur can be contre Normand, to give le second-hand evidence pour la appropriate Sierra Leone in the context a considéré of le 11 mars 2005 as a whole and according to well-understood forensic standards. On peut s'en remettre and au we strongly juge pour accorder but how would the chamber conduct this delicate exercise if it is dans le contexte de l'examen of the de l'ensemble des éléments de preuve all the information which provides the necessary context des normes and facilitates an assessment of the reliability and consistency of individual pieces of evidence against the totality of the record. Mais comment la Chambre pourrait-elle se livrer à ce délicat exercice si elle était privée de la capacité d'examiner toutes les informations qui permettent de fixer le contexte et qui permettent d'évaluer la fiabilité et la cohérence des pièces individuelles par rapport à la totalité des pièces? Or else, the chamber may find itself selon deprived nous, of sufficient evidence affaire, in its final deliberations. Où les éléments contextuels sont importants, il est essentiel de ne pas fixer trop haut le seuil de recevabilité. Faute de quoi, la chambre pourrait se trouver privée des éléments de preuve suffisants dans le cadre as de ces délibérations finales. Held in the Lalique case comme on le TPIY l'a considéré January dans l'affaire de Lalique, le 19 the janvier 1998, for the admission of evidence should not be set le seuil excessively fixé high pour la recevabilité des éléments de preuve not ne devrait pas être excessivement as ultimate élevé proof of guilt dès lors or innocence.
qu'il se peut que les documents ne soient finalement pas admis en tant que preuve de la culpabilité ou de l'innocence des accusés, mais admis pour fixer des éléments de contexte et pour aider à dresser un tableau général des éléments de preuve recueillis. À présent, je voudrais brièvement évoquer les différentes sources dont proviennent les éléments de preuve, et en particulier la liste des coprocureurs pour la première phase. Je vais attirer l'attention en particulier sur les documents qui datent de la période du Cambodge démocratique, car ces derniers représentent une catégorie importante. Ensuite, mes confrères, en particulier Tariq, vont aborder de façon plus détaillée les différentes catégories. Extensive information regarding the provenance and chain of custody of contemporaneous DK documents. Des informations détaillées sur la provenance et la figure de conservation des documents d'époque du Cambodge démocratique se retrouvent tout d'abord dans les documents sur le dossier pénal, deux dans les déclarations écrites de témoins et trois dans les témoignages de Chang Yuk et de Van Thanh Pheu Dara. This evidence shows that four main sources of documents contemporaneous to the DK period. Quatre sources principales pour les documents datant de l'époque du Cambodge démocratique sont le ministère de l'Intérieur, Tuol Sleng, National Archives, les archives nationales, and the et ce que l'on appelle Swedish la collection de documents suédois. Many of the documents from these sources were collected first by DCCAM. Une grande partie de ces documents provenant de ces sources ont d'abord été recueillis par le DCCAM puis fournis au bureau des coprocureurs et au bureau des co-juges d'instruction. The list which we circulated to the parties on 23 janvier 2012 dans notre écriture portant la cote E-161 shows that approximately 2,384 documents first phase list came figurant sur la DCCAM. Liste de première phase du bureau des coprocureurs provenait that the true DCCAM witnesses were able to describe in significant detail que les deux témoins du DCCAM ont été en mesure de décrire en détail which les enable processus all parties de catalogage to easily et de numérotation the des documents of each document. Qui permettent à toutes les parties in most cases, de déterminer it is facilement as l'origine as de chaque document. Up a document. La plupart des cas, il est tout aussi simple, que de saisir le numéro unique du document du DCCAM dans sa base However, de données it is disponible important to au public. Also note that during the course of the judicial investigation, il est toutefois important de garder à l'esprit que dans le cadre de l'instruction, les co-juges d'instruction ont obtenu des documents datant de l'époque du Cambodge démocratique directement de Tuol Sleng et des archives nationales. Les co-juges d'instruction n'ont pas dépendu uniquement du DCCAM comme source. Je vais maintenant parler des quatre sources principales de documents que j'ai mentionnées. Now we touch upon the sources of documents from the Ministry d'abord, of Interior. Le ministère de l'Intérieur. Ministry of Interior documents were obtained by les the OCP and OCIJ from ont DCCAM. Été obtenus par le bureau des coprocureurs et le bureau des co-juges d'instruction. Chang Yuk and Van Thanh Pheu Dara have testified that DCCAM. This collection Chang Yuk et Van Thanh Pheu Dara includes documents relating to national security, que cette collection such de documents as comprend des documents sur la sécurité nationale, comme des aveux, des correspondances, des biographies they et des photographies. That, to their knowledge ces deux personnes belief, ont aussi déposé qu'au these documents were de leur originally connaissance, ces documents by a team avaient été à l'origine recueillis par une équipe d'experts vietnamiens dans un domicile à Phnom Penh, in the period following the toppling of the Khmer Rouge regime. Et ce, dans la période suivant la chute du régime. The documents Khmer were collected and deposited in an office of the Ministry of Interior. Les documents until ont été recueillis over DCCAM et in entreposés dans un bureau 19, du ministère de l'Intérieur 96. Jusqu'à ce qu'ils soient remis au DCCAM vers 1996. Importantly, the witnesses have confirmed that DCCAM has in its possession the originals of all of these documents. Et ce qui est important,
que le DCCAM a en sa possession les originaux de chacun de ces documents. Je fais ici référence à la transcription de la déposition de Van Tan Poda le 23 janvier 2012 aux pages 74 à 80 de la version en anglais et du témoignage de Chang Yuk. And Chang Juk's testimony on 1st February 2012. Le témoignage de Chang donc le 1er février 2012 aux pages 43 à 48 de la version anglaise. And at pages 39 à 44 de la version Khmer. This oral testimony is consistent with statements Chang Juk previously made in OCIJ interviews. Ces déclarations faites dans le prétoire. And in which he additionally specified that the house where the documents were found. Des déclarations que Chang Juk a faites dans le cadre d'interviews avec l'éco-juge d'instruction. Occupied by Son Sen. Dans laquelle il avait ajouté que l'on pensait que la maison où les documents avaient été retrouvés avait été occupée par Son Sen. Je fais ici référence en particulier au procès-verbal d'entretien de Chang Yuk du 19 août 2009 à la page 3. Il s'agit du document D204-4. La version Khmer est à la page 4. In an article co-authored by ces informations cadrent aussi avec les informations retenues documenting the crimes of Democratic Cambodia, que l'on retrouve dans un article dont Chang Yuk est le co-auteur, dont le titre est Documenting the Crimes of Democratic Cambodia, en date du 24 mars 2009. L'on peut retrouver cet article dans le dossier. Il porte la cote D155.3. Et je fais en particulier référence ici aux pages 226 à 230 qui traitent des différents types de documents que l'on retrouve dans l'ensemble de documents provenant du ministère de l'Intérieur. I note that during the judicial investigation, sur la question des originaux, je souhaite faire remarquer que lors de l'instruction, les documents originaux de cette collection ont été numérisés en couleur par des représentants des co-juges d'instruction. L'on retrouve plusieurs de ces images numériques en couleur sur le dossier pénal. Et ces documents sont parfaitement accessibles par les juges et les parties. J'aimerais ici faire référence à la réponse des co-procureurs à la demande de Kyo Sampan de production de documents originaux. Il s'agit ici du document E168-1 en date du 20 février 2012. Dans notre réponse à la demande de Kyo Sampan, au paragraphe 13 à 15, nous expliquons que les éléments de preuve présents au dossier. Et nous confirmons que les originaux ont été obtenus du DCCAM dans le cadre de l'instruction. J'aimerais maintenant parler des documents provenant de Tool Slang. Turning now to the Tool Slang documents, these primarily comprise confessions, prisoner records and biographies. Des dossiers de prisonniers, des biographies. Cet ensemble comprend aussi des documents provenant d'autres bureaux et d'autres ministères du Cambodge démocratique. They were obtained both from DCCAM and from ces documents proviennent de DCCAM et de Tool Slang directement obtenus dans le cadre de l'instruction. In their oral testimony, Van Thorn Poudara and Chang Juk provided information regarding this collection. Dans le cadre de leur témoignage, ont fourni des renseignements sur cet ensemble de documents. Je fais ici référence à la transcription du témoignage de Van Tan Poudara du 23 janvier 2012, aux pages 73 à 74 de la transcription en anglais, et aux pages 60 à 61 du transcript en Khmer, et du témoignage de Chang Yuk du 1er février 2012, aux pages 65 à 70, ainsi que les pages 105 et
117 of the English transcript de la transcription en anglais and Khmer transcript at pages 57 to 61 57 à 61 ainsi que les pages page 89 and 89 page 100 et 100 The two witnesses testified that the SICKEM les deux témoins only photocopies of documents from Duoslang que le SICKEM n'a fait que photocopier les documents de Duoslang et que les originaux sont toujours à Duoslang. These documents are identified in the DCKM database with the prefix SICKEM identifie ces documents dans sa base de données avec le préfixe This prefix can be seen on the copies of Duoslang documents. On peut voir ce préfixe sur les copies de documents provenant de Duoslang and OCIJ obtained que les coprocureurs et les juges d'instruction ont obtenu du DCKM. With regard to documents found at Duoslang, which originated from other DC, from other DK offices, Chang Yuk testified that in his experience, Chang Yuk a témoigné que, selon son it was not uncommon for documents from one DK ministry to be found in a different ministry. Des documents provenant d'un ministère du Cambodge démocratique dans un autre ministère. For example. Because documents were sent as correspondence exemple, from one ministry to another. Car ces documents étaient envoyés comme correspondance d'un ministère à l'autre. The case file also includes written records of interview by the OCIJ. On retrouve aussi dans le dossier pénal des procès-verbaux d'entretien d'anciens These witness interviews membres du personnel du musée de Duoslang par les juges d'instruction. As to the types of documents nous fournissent des renseignements très utiles at the museum, the circumstances of their discovery, quant au type de documents and the process au musée, of organizing les circonstances the collection. Entourant leur découverte, ainsi que le processus de catalogage de cet ensemble de documents. The witness statements are J'aimerais, au fin de la transcription, noter que ces auditions de témoins sont les documents suivants. D108-42-1. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du témoin TCW-97, en date du 25 mars 2008. Document D108 Document D108-32-2, procès verbal d'audition du témoin TCW-3C8, en date du 26 mars 2008, et document D108-21-20. Which is a written record of interview of a witness procès-verbal d'audition d'un who témoin has not been assigned a pseudonym qui n'a and it pas is dated reçu 18 de pseudonyme par la Chambre et ce procès-verbal est en date du 18 février 2008. During his interview, the witness TCW-97 dans le cadre de son audition, le témoin TCW-97, qui avait commencé à travailler au musée en mai 1979 et qui occupe un poste élevé au musée, cette personne a confirmé qu'il avait participé à la collecte de documents dans les bâtiments de l'enceinte principale de S21 et dans les maison avoisinante. He testified that under the directorship of the late Eng Bach, le témoin a dit the que sous la direction de Feu assembled or documents relating to the same person, les archivistes and ont assigned serial numbers to those dossiers dont le contenu portait sur la même personne ou qui
He also provided detailed testimony as to the storage of these original records from 1979 onwards. Il a aussi expliqué que vous donnez des renseignements plutôt quant à l'entreposage de ces documents d'origine à partir de 1979. Il a expliqué quels étaient les endroits où ces documents étaient stockés et les méthodes d'entreposage utilisées au fil des ans. Le témoin TCW-368, ancien membre du personnel, a dit au juge d'instruction que les documents retrouvés à Toulsline, y compris dans les maisons voisines, included confessions, comprenaient les catégories suivantes. Execution logs, les aveux, interrogation logs, registre d'interrogatoire, summaries of confessions, les résumés d'aveux, study notebooks, des cahiers d'études, CPK statutes, des statuts du PCK, speeches and directives, des discours et des directives du and parti, copies of the Revolutionary et des exemplaires d'étendards révolutionnaires et de jeunesse révolutionnaire. During the judicial investigation, OCIJ officials inspected and or requested color scans of a large number of original documents located at Toulouse. These documents are on the case file and are clearly identifiable as copies of originals. Ces documents sont sur le dossier pénal et sont tout à fait identifiables comme copies de l'original. Je fais ici référence aux documents déposés conformément aux commissions rogatoires des 82 en date du 29 janvier 2008 and the 159 et D-159 dated 4 en date July du 4 juillet 2008. I also refer journals to the rogatory execution rapport d'exécution de commission rogatoire which were filed together with the relevant copies. Qui accompagne les these reports explained the circumstances of the inspection ces rapports expliquent and les circonstances of de l'inspection et les circonstances entourant la reproduction de ces originaux ou copies des originaux. On to the sources of documents from the national Je vais archives. Parler des documents provenant des archives nationales. With regard to the National Archives collection, the majority of these documents can be described broadly. La majorité de ces documents provenant des archives nationales peuvent être classés généralement dans Cambodgia la catégorie Commerce des records. Dossiers commerciaux du Cambodge démocratique. Chang Juk has testified that, to his knowledge, the National Archives documents dans were first kept at the Ministry of Propaganda les documents and provenant information. Des archives nationales était d'abord entreposé au ministère de la Propagande et de l'Information and, sous M. Cao Chanda. The documents were kept under Mr. Cao Chanda's supervision. Ces documents until étaient sous la supervision de M. Cao Chanda with a mandate to jusqu'à ce que les archives documents. Nationales soient créées sous le the mandat de la collecte des documents nationaux. Les documents ont alors été transférés aux archives nationales et c'est là que le DCK en a fait des copies starting in around à partir 1996. De 1996 environ. Chang Juk testified that the original documents which they inspected and copied que les documents d'origine appeared to be qu'ils ont examinés et copiés semblaient être and des documents datant de l'époque du Cambodge démocratique archives, et que ces originaux sont toujours aux archives nationales. I refer the chamber particularly to the testimony of Chang Juk. Je veux porter l'attention de la chambre en particulier au témoignage de Chang Juk le 1er février 2012 aux pages 56 à 62 of the English transcript de la version anglaise and at pages 50 to 55 of the Khmer transcript. Page 50 à 55 de la transcription en Khmer.
Further information as to the provenance of documents at the National Archives is set out in the article co-authored plus by d'informations sur la provenance des documents which I referred to earlier, that is document number B155.3, dont j'ai fait mention tout à l'heure. Il s'agit du document portant la cote D155.3. Et à la page 228 de cet article, il y est indiqué certain standing committee minutes were deposited at the archives by Renace officials. Réunion du comité permanent ont été déposées aux archives par des responsables du investigation, officials from the tout comme les documents pendant le Tolsling, dans le cadre de l'instruction. Des représentants du bureau des co-juges d'instruction ont examiné et obtenu des copies en couleur d'un certain nombre de documents originaux et ceux directement des archives nationales. Je fais ici référence aux documents déposé conformément à la commission rogatoire D161. They are attachments to the rogatory letter execution report. Il s'agit d'annexes, de pièces jointes plutôt, au rapport d'exécution de commission rogatoire D161/1 en date du 4 février 2009. I would like now move to the sources of document under the Swedish collection. J'aimerais maintenant parler de la collection dite suédoise. I would like to conclude with documents obtained from the so-called Swedish collection. This collection includes contemporaneous decay media reports. Ou les documents obtenus plutôt de cette collection suédoise. Il s'agit de decay public rapports statements de presse du Cambodge démocratique, des déclarations publiques du Cambodge démocratique, ainsi que des publications du Funk Grunk. In addition to contemporaneous reporting by international media, des articles de presse dans la presse internationale datant de l'époque the documents du in this collection were obtained during the judicial investigation cette collection ont été obtenus dans le cadre de l'instruction et proviennent du DCCAM. Chang Yuk and Van Thorn Peldera also testified as to the origins Chang-yuk of this collection. Ont aussi I refer honors to the de testimony of Chang Yuk si référence au témoignage on de Chang Yuk du 1er février 2012 at pages 41 to 42 of the English transcript en anglais, and at page 38 to 39 of the Khmer transcript, de la version Khmer. And on 6 February 2012, aussi à la transcription du témoignage du 6 février 2012 aux pages 20 et 91 de la version anglaise, and at page et aux pages 16 and page 76 of the Khmer transcript, de la version Khmer. And through the testimony of Van Thorn Peldera on 23 January 2012 at pages 47 to 48 of the English transcript at pages 38 to 39 of the transcript de la version the two witnesses testified that in total les this collection ont dit comprises total, some 600 to 700,000 pages. Inclut quelques 600 à 700 they 000 pages. They stated that these documents were compiled by the Committee of Laos, Vietnam, Cambodia, et on dit que ces documents and avaient été Sweden par le comité whose members visited Democratic Cambodia du Laos, du Vietnam, du Cambodge et de la Suède, dont les membres ont visité le Cambodge démocratique en 1978. This collection was received by DCCAM in 2007. Following DCCAM's public appeal for any le DCCAM a reçu cette collection suédoise en 2007. Après que le centre ait lancé un appel relevant to public the Democratic Cambodia.
auprès des collecteurs the documents received privés, as part of the Swedish collection, de communiquer tout document pertinent largely pour les copies of originals, les documents reçus font partie donc which les documents reçus comme faisant partie de cette collection Lund suédoise sont surtout University, des copies d'originaux que l'on retrouve à l'université de Lund. Journals to conclude, I have outlined briefly the applicable legal principles. Madame, Messieurs les juges, voilà. And the evidence on the case file survol concerning the provenance des principes juridiques applicables and chain of custody et des éléments de preuve présents au dossier for the four main sources of documentary et la filière de conservation evidence. Pour les quatre sources principales de, d'éléments de preuve documentaires. In our submission, this evidence taken together establishes a very strong basis. Les procureurs sont d'avis que ces éléments de preuve, for this record to be admitted as authentic and reliable, robuste, permettant à ces dossiers d'être reçus comme authentiques et fiables. Journals, I now conclude my part of the response and I will now hand over to my colleague, Mr. Tariq, laisser la parole who will deal with frère, specific defense objections, qui traitera directement des objections présentées par la défense. Your permission et je demande in relation to Michael Canavas yesterday afternoon, hier après-midi, who Maître stated Carnavas that a dit the prosecution sneaked in evidence, and we strongly object to that. We did not sneak in evidence. We submitted those evidence officially. Nous n'avons jamais. Thank you, Your Honor. Et que nous n'avons jamais déposé d'éléments de preuve de façon subrepticiée. President, thank you. Now the international co-prosecutor, you may proceed. La parole est maintenant au procureur international. Thank you, Mr. President, Your Honours, Counsel. As my merci, colleagues indicated, Madame, Messieurs les juges, we will now move on to address comme perhaps more specifically some dire, of the maintenant parler objections précisément that we've heard over the last objections. 2 days from the defence. And we will do so par la défense au cours de deux derniers jours. Perhaps in 2 ways. One is by first dealing de with some façons. Of the thematic issues tout that have been raised and that I think are common to a number of the defence teams. Thématiques, des thèmes en and then secondly, de défense, by going to those specific suite. Annexes and again je making submissions in response des annexes to the objections that relate more specifically to those annexes. Aux objections soulevées so I will proceed first to respond to some of these thematic objections, perhaps as a way of also building on my colleagues' submissions with respect to the legal position and information that is before Your Honours on the provenance of the evidence. Les arguments avancés par mon confrère sur and then les normes perhaps later in the afternoon, de preuve, I will sans move on to plus tard, 3 specific annexes. Je parlerai their annexes trois 7. Annexes 15 les annexes 7 and 19 15 from the OCP list. Et 19 and at that point, I will hand over to the next OCP team, and they will, with your leave, deal with the remainder of the annexes. Enfin, plaît à la chambre, cette équipe parlera du reste des annexes. So perhaps starting with one of these more basic points that were made yesterday, I believe, by my learned friend, counsel for Mr. Yang Siri. Tout d'abord, I think there was an assertion that the OCP was trying to, as it were, circumvent testimonial proceedings and have this case put before Your Honours simply by using documents. De preuve, and I think both our motives and our professional ethics were
put into question. L'on mettait en doute là, soit nos motifs ou même la déontologie. I don't think those types of submissions were warranted. Je ne crois pas que de tels propos étaient mérités. Your Honours, of course, the co-prosecutors have put forward very extensive proposals for witnesses to be heard. Bien évidemment, les coprocureurs ont witness, proposé list, which is E9/4.1. E9/4.1 identified close to 300 witnesses. Identifie presque 300 personnes. Proposed que nous to bring before your honors. Demandions à la chambre of those de witnesses, citer à comparaître. Somewhere between 80 and 90 sur ces relate témoins, 80, primarily 90. To matters of context, operations of the regime. Entendre déposer sur les questions de contexte. Les méthodes circumstances du régime, in which the Democratic Kampuchea records were created, entourant. Etc. So, Your Honours, there's no attempt to circumvent testimonial proceedings. Il n'y a far ici from it. What we are trying to do is to put before Your Honours a selection of documents which, in our submissions, will complement testimonial evidence. Nous entendons, as for nous some of the errors, or alleged errors that were raised, they'll be dealt with by my colleagues. Pour ce qui est suffice it to say, we were surprised to hear a reference to our professional ethics, particularly given that some of the examples that were given by the defense were in fact erroneous. Surtout quand on considère que les arguments. But I'll leave that to my colleagues. Étaient faux. Mais je laisserai à mon collègue le soin de répondre. Moving on to à cela. Perhaps what was a central theme in the submissions that we've heard over the last 2 days. And it is the issue of relevance. Jours, de la and I think each of the three teams have made extensive submissions on this issue, and so we will respond. To quote my friend, counsel for Nunchia, they submitted that pour citer la défense de Nunchia, it is only the two crime sites which are currently included in this first trial that form the central threat that Your Honours should be concerned with, and that dans little else is now relevant, and that Your Honours should adopt a clinical approach in excluding la chambre devrait donc, nous dit-on, evidence that goes to any other policies tous les éléments de preuve included in the indictment. Les autres and of course, building on that approach, all defense teams have suggested base, that les équipes de défense numerous ont laissé documents entendre in the co-prosecutor's list are not relevant because they don't deal with au motif qu'ils ne portaient pas sur les questions relevant du premier mouvement de population or as part of en the avril second phase 75 movement. Ou dans le cas du deuxième mouvement now, de population. I will deal with this in some detail because je vais I think it is important, en parler de façon approfondie. In fait, order to understand this issue of relevance, pour it is important in our submission to have a crisp nous, understanding of how we came to where we are today, how it is that we are dealing with a document list which includes so many contextual documents. Tant de documents de context. And it was helpful, I think, my friend, counsel for Kyusam Pan, did state that this list was filed prior cette liste avait été déposée to Your Honour's severance que order. La chambre de rente the first phase list, which de contains the 20 annexes, la was liste of course filed on the 22nd of July 2012, at which time juillet this case 2011, had not been severed où by Your n'avait pas encore été disjointe when par we filed that list, au moment du dépôt de cette liste, we did so in response to a number of topics which Your Honours had identified as relevant to the first phase of the trial, again prior to severance. Your Honours pour la première phase du procès, indicated, avant la disjonction, and this is les juges reflected in the very filing which accompanied our list. Your Honours indicated that the topics to be, number one, les structure of Democratic Kampuchea, number two, thème, roles of each accused during the period le rôle des accusés, prior to the establishment of the Democratic Kampuchea, mise en place du Kampuchea démocratique. Three, troisièmement, the roles of each accused de in the Democratic Kampuchea government, dans le gouvernement du Kampuchea démocratique, their assigned responsibilities, leur responsabilité, the extent of their authority, and the lines of leur communication autorité, ainsi que throughout les the temporal period with which the ECC is concerned.
relevant de and la compétence rationnée temporisée de CETC. Et enfin, les politiques du Cambodge démocratique concernant les questions mentionnées that dans l'acte d'accusation. Voilà donc les questions was put together. Sur la base desquelles nous avons établi notre liste de premières phases. Comme je l'ai dit, c'était fait en juillet 2011. And in September, Your Honours, et en septembre, la Chambre decided to sever the proceedings a rendu son ordonnance de disjonction. Series of, if you like, back-to-back trials. And this is, of course, found in document E-124, which is your order of the 22nd of September 2011. Daté du 22 septembre 2011. What is central to this issue, Your Honours, is that that order retains the topics that I just referred to. Maintient les thèmes them. Que j'ai cités. Et cela est essentiel. Le président. The president, prosecution, please slow down. Pourriez-vous ralentir la cadence, to the number, surtout quand vous citez des chiffres. Please repeat the document number so that it is clear for the record. Thank you, Mr. President. And as a repeat offender, I apologize to the interpreters and others who are recording this information. So I was referring to the severance de order document E-124. De disjonction portant la cote E-124. And I was started indicating that, of course, when Your Honours severed the trial and decided to proceed initially de disjonction with et ont décidé de commencer the crime sites par un procès portant relating sur les sites de crime forced movements, ayant trait aux déplacements forcés you de population, les juges ont toutefois maintenu inchangés tous les éléments contextuels. Your order of the 22nd of September 2011 repeats dans l'ordonnance du 22 septembre 2011. Dans cette ordonnance, on retrouve les mêmes termes. Et ensuite, au paragraphe 5, sont ajoutés certains sites de crime et chefs d'accusation relevant spécifiquement du premier procès. I'm sure we all recall at paragraph 6, au paragraphe 6, the chamber indicated la Chambre that it may also a indiqué qu'elle pourrait également décider d'inclure dans le cadre du premier procès d'autres sections de l'ordonnance de clôture. Je crois que chacun s'en souvient. Now, in light of what we now hear from the defense, primarily on the issues compte of relevance, tenu de ce que dit la défense one sur may have expected la pertinence, to see objections on pourrait from s'attendre the defense à ce que la défense soulève des objections to including et conteste la façon all de procéder de la sorte contextual et d'inclure tous ces which éléments relate, of course, contextuels the structure of democratic qui concernent les structures du Cambodge démocratique covered durant by the closing order, and to all of the couvert policies par l'ordonnance de clôture ainsi you que toutes les politiques may have expected par l'accusation. On aurait pu s'attendre à ce que des arguments analogues soient présentés, but of course that wasn't the case. À ce présenté cette semaine. This ça is n'a what pas été Nguyen le cas. Chia's defense team said l'équipe de in défense their response de Nguyen Chia l'a dit dans sa réponse to the severance order. Suite à l'ordonnance de disjonction, in fact, we had filed a nous avions request for déposé reconsideration, une demande de reconsidération, primarily to ask Your Honours surtout to include pour demander à la Chambre a small number of additional d'inclure sites, un petit nombre de sites and then supplémentaires, and the defense filed responses et la défense a déposé to that request, des écritures en and réponse it is that à cette demande, which et c'est I'm quoting from. Cette réponse que je cite, response was la document réponse e de Nguyen Chia a porté la cote 124/5. And at paragraph 3, et au paragraphe 3, I'm just reading one relevant je vais lire passage. Le passage pertinent. The defense, and I'm quoting here, je cite, the defense urges the trial chamber engage to stand by the current terms of its severance order. Les termes actuels de without son a doubt, de disjonction, the most sensible decision sans aucun doute, c'est la to décision emerge la from plus the ECCC. Rationnelle qui ait jamais été rendue so devant les CTC. A clear endorsement of Your Honour's approach. La défense a clairement appuyé l'approche adoptée par la Chambre concernant l'organisation du procès. De manière analogue et de façon plus détaillée, la défense de Yang Sari a également avalisé la méthode retenue par les juges. And in looking at, in arguing that
some of the international jurisprudence on issue of au moment de dire que concernant la disjonction, certains aspects de la jurisprudence internationale n'étaient pas pertinents, et en particulier dans le cas de l'affaire Mladic, qui a fait l'objet d'une décision récente en vue d'une disjonction. Donc, l'équipe de Yengsari dit qu'à la différence de cette affaire, case 002, does not Mladic, have alleged separate 002 joint criminal enterprises. Ne comporte pas case de chef d'allégation séparée concernant overarching une joint criminal enterprise. And I'm reading here at paragraph, from criminelle commune distincte. Et je lis ici le paragraphe 11 du document E124/6. Helpfully, they go on ensuite, to state la défense indique at paragraph 14, ce qui suit au paragraphe 14, and I'm just reading one part of et si that. Je vais dire la partie quote, pertinente. To discard portions of a closing écarter order, des portions d'une ordonnance de clôture qui ne sont entachées d'aucun défaut serait contraire au principe de droit romano-germanique concernant severance la manifestation de la vérité. La disjonction en application de règlement intérieur veut simplement dire que les accusés vont être jugés pour tous les chefs d'accusation, même si cela clearly se fait dans le cadre de procès successifs. An understanding which accords with the approach that Your Honours have also since clarified. Depuis lors, les juges ont apporté des précisions there are à ce sujet. Additional references to this idea of a et des overarching précisions sont apportées single sur joint criminal enterprise in that Yengsari filing. D'un chef d'accusation général d'entreprise criminelle commune. You ce, will find them dans at paragraph le document 17 de la défense de Yengsari, c'est le paragraphe 17 and at paragraph 18. Et 18. The point that Yengsari was making, of course, Your la défense de Yengsari is that soulève the nature suivant. Of the severance order la nature is not to reduce de l'ordonnance the scope de disjonction of the n'est pas de réduire l'étendue de l'affaire. C'est simplement d'organiser l'ordre dans lequel the charges are les différents heard. Chefs d'accusation seront traités. And of course, et bien entendu, it is important to note that both teams, both Nunxia les deux équipes, celle de Nunxia and Yengsari, et de Yengsari, ont this approach. Souscrit à cette démarche. Now, Your Honours then provided, as ensuite, I said, further clarification dit, la Chambre in your decision on our request for a reconsideration notre demande of the de severance order, de l'ordonnance and this de is document E124/7. E124/7. And Your Honours, there again, ici, in fact, la Chambre follow a similar reasoning to that I just quoted from un raisonnement analogue Yengsari's submission. À celui que j'ai paragraph cité dans 8, les Your Honours de Yengsari, au paragraphe 8, the severance order dit ce qui suit. Is relevant only to the order de and sequencing of the trials que l'ordre in case 002. Enabling the chamber to issue a first verdict limited to certain counts and factual allegations at an earlier stage. And then at paragraph 10, ensuite, Your Honours indicated 10, on lit a number of considerations which motivated the chamber in making the severance order. And some of those considerations were to simply divide the case into manageable parts, à la nécessité de diviser le dossier en parties gérables, également que le premier procès pourra servir de fondement à l'examen du mode de participation au crime, for a more detailed examination of the remaining charges and factual allegations against the accused in later trials. Lors des procès ultérieurs, l'examen plus précis des autres chefs d'accusation et allégations factuelles. And then building on that, Your Honours clarify further ensuite, in paragraph 11 au paragraphe 11, that the Chamber, précisé, during the early trial segments, that is the segments that we now are dealing with, les premières phases du procès, that the Chamber during those segments will give consideration to the roles and responsibilities of the accused in relation to all policies relevant to the entire indictment. Of course, to be fair, Your Honours also make the point certes, that a detailed factual consideration in this first trial will be given only to the implementation of the joint criminal enterprise insofar as it relates to the forced movements.
But nevertheless, you indicate that you see this first trial as laying a foundation and as introducing evidence relevant to the entire period under consideration. And there, of course, again, at paragraph 12 of that decision, Your Honours recall that you have not excluded the possibility of adding further charges. And we submit, of course, that means that you are able to do so, cela and of course, ultimately, it is Your Honour's discretion. But you are able to do so only if you hear contextual si evidence and evidence relating to the structure and communications of the Democratic Cambodia. That would enable any further sites to be incorporated. So your approach, as we understand it, Your Honours, is to use this first trial as a foundation for subsequent trials. Le premier procès pour jeter les fondements des procès ultérieurs. And, of course, interestingly, even though we had initially disagreed with this approach, it has been strongly endorsed by the defense teams. Elle a été soutenue your approach has also been to reinforce cette a number of times that the accused are required to answer all of the charges. And that is why we were directed to make an opening statement in relation to the entire indictment. Nous avions pu faire des déclarations liminaires en your rapport avec l'ensemble du chef d'accusation de l'ordonnance de clôture. Crime sites, as I indicated, la possibilité d'inclure d'autres sites de crime a également été retenue sous réserve you have also, des conditions relatives au délai de notification. Now, of course, this structure does not relate only to documents. Cette structure it ne relates, porte pas seulement sur les documents. Equally to the witnesses elle that Your Honours have thus far selected. Que la Chambre a retenu à ce jour. Again, we haven't heard objections à nouveau, from the defence objection to Your Honours' selection par la défense of witnesses. Les again, témoins retenus par one la might Chambre. Have expected on that aurait pu s'attendre. Having calling witnesses that deal with numerous aspects of the structure and operations lors, of the Democratic Kampuchea regime, that that may have been objected to by the defence if their position is that the sole le contexte, on aurait pu s'attendre à ce que la défense focus ait des objections. Of this trial is forced movements. Si le premier procès porté sur various, le mouvement déplacement forcé population, trial management or cela n'a pas été le cas. Taken place, dans les réunions de mise course, en état, it has been made clear that we will likely spend the best part of this year hearing il testimonial evidence. Il est ressorti que la, une bonne partie de l'année serait consacrée à l'examen des témoignages. To the structure or of the regime, porte essentiellement to sur its la structure policies du régime, and communications, les as well du régime, as les communications du to régime, roles of the accused ainsi que le rôle des accusés. That go well beyond their participation il n'y a in pas the, seulement la participation des accusés crime au crime allégué force movement. Et au déplacement forcé de population. Equally, one might note au même titre, that the ministries, as to which you will hear extensive evidence, les were in fact established concernant by and large in 1976. That is following most of the crimes that are currently included in the crime base. Of course, Your Honours, Democratic Kampuchea came into being only in January 1976. And so evidence relating to the ministries and communication structure of the Democratic Kampuchea regime by necessity relate to matters which took place perhaps after the crimes the alleged crimes which are currently part of this first case or this first trial. There are no fewer than, I believe, 52 witnesses il y a, je pense, that have been identified thus far qui ont été dealing with jour, those contextual et qui elements. De ces éléments and we simply submit that your approach with selon respect nous, to documents should follow la démarche the same logic. Documents devrait suivre même your le Honours logique. Have dealt with this severance matter on a number of occasions. À plusieurs reprises, les juges you're ont fully aware question, of the fact disjonction. That our first fate list was filed before severance. Pour la première phase you did not consider it necessary les juges n'ont to pas ask jugé any of the parties de demander aux parties to amend their lists. De modifier leur liste. And that is, of course, because et ce, you bien sûr, have ordered that those contextual parce issues que la Chambre will be the subject que les questions contextuelles of this first ferait l'objet trial. Du premier procès. An additional matter that relates to il y a aussi une autre question the issue of relevance liée à la pertinence is, of course,
proof of contextual elements of the c'est crimes. La preuve des éléments contextuels des so crimes. Putting aside Your Honour's approach sans parler including in de la this démarche trial adoptée par la Chambre elements relating pour to ce qui est de l'intégration des éléments ayant trait au régime, we of course bear the onus of proving c'est à nous qu'incombe la charge de la preuve, bien entendu, of crimes against humanity, s'agissant des crimes contre l'humanité. That there was a widespread and systematic attack c'est à nous qu'il incombe de prouver qu'il y a eu une attaque systématique et généralisée. Now, that is an element which we must prove. C'est à nous de le prouver. And at paragraph 1352, the closing order 1352, alleges that that widespread and systematic attack was directed against the entire population of Cambodia. Recalling Ieng Sary's submissions that I quoted from earlier, of course, you can't dissect this joint criminal enterprise. Ne peut pas disséquer cette entreprise. Being directed at the entire civilian il est allégué qu'elle visait l'ensemble de la population civile du Cambodge to have et il est allégué qu'elle a duré durant toute la période visée par l'ordonnance some de clôture. Concernant certaines choses que nous devons prouver beyond a reasonable doubt pour emporter l'intime conviction des juges selon quoi des crimes contre l'humanité ont été commis, the widespread or il y a bien sûr nature of an, of le caractère systématique et généralisé de l'attaque menée and contre cette population civile. Systematic attack et in our submission, selon nous, cette attaque systématique et généralisée doit être by prouvée to evidence which en shows produisant des éléments de preuve qui montrent que certains actes ont eu lieu durant toute la période pertinente et qui ont eu lieu durant différentes parties du pays. Il ne s'agit pas ainsi de prouver les crimes eux-mêmes, mais bien de prouver que cette attaque systématique et généralisée a couvert toute la période pertinente et tout le territoire auquel s'applique l'ordonnance de clôture. A similar argument, of course, un applies similaire to the joint criminal bien enterprise. À l'entreprise criminelle commune. The closing order, as Ieng Sary correctly pointed comme out, l'a bien dit Ieng Sary, alleges the existence of an overarching joint criminal enterprise. Criminelle commune globale. And Your Honours have specifically included la Chambre in this first trial a inclus dans the ce paragraphs premier procès which relate les paragraphes to the ayant trait existence and scope à l'existence of that joint criminal et enterprise. À la portée de cette entreprise criminelle commune. And this is found at je paragraphs, vous paragraphe. That joint criminal enterprise is found at paragraphs 156 to 159 of the closing order. 156 à 159 de l'ordonnance de clôture. Again, as I indicated earlier, comme je l'ai déjà you've dit, made it clear that the implementation of the joint criminal enterprise is limited commune, to the issue of forced movements, aux but the existence of the joint criminal enterprise de cette entreprise as criminelle a whole commune, dans son is ensemble, certainly a part of this case. Fait and what does that joint criminal enterprise entail? Well, cette entreprise it entails commune. At paragraph 157 five policies. On y trouve cinq politiques. Number one, the repeated movements of the le population. À plusieurs reprises de number population. Two, the establishment and operation of cooperatives and work sites. Number three, the re-education of bad elements and killing of enemies. Number four, the targeting of specific groups. And number five, the regulation of marriage. That joint criminal enterprise, again, like the widespread and systematic attack, is alleged to have come into existence on or before the 17th of April 1975 and to have continued throughout the period covered by the indictment. In fact, en réalité, the paragraph 158, which is also a part of this first trial, qui est highlights par that these policies are alleged indique to have evolved and increased in scale and intensity throughout the regime. En intensité et en ampleur durant toute la période du régime. And we submit, Your Honours, selon nous, that what the defense is trying to do is to essentially tie our hands, make it impossible for us to adduce before you sufficient documentary evidence of the existence of that joint criminal enterprise, which of course is massive, is alleged to have been massive in scale, and of course, therefore, the evidence is voluminous. This is not a case that deals solely with cette forced movements ne porte pas seulement of the sur le déplacement forcé de population. It is a far more complex c'est une affaire bien plus case. Complexe. It involves a far more complex and wide-reaching qui fait joint criminal enterprise. Entrer en jeu and again, une entreprise criminelle I want to be très clear, complexe et très we're large. Not suggesting que les choses that soient bien claires.
we are here, we will be seeking to prove those crimes at the crime-based level. We will follow Your Honour's direction, of course. But we need also to be able to establish the existence of that widespread and systematic attack. We need to be able to establish the existence of the joint criminal enterprise. And we do so in part by putting before you documents which consistently reflect, in our submission, the existence of these policies and of the attack on the civilian population. D'où la mention de ces politiques et des attaques contre les populations civiles. Now, there is also another way of looking at issues of relevance les questions de pertinence when one peuvent considers aussi être vues sous un autre the, the five policies which are, of course, as I said, alleged to form part of the joint criminal enterprise. Et qui ferait partie de Again, Yengsari quite correctly indicated this is an overarching joint criminal enterprise. C'était une entreprise criminelle and, commune globale. Of course, the evidence shows in our submission et selon nous, that il ressort des éléments de preuve parts of that joint criminal enterprise, in fact, are interrelated. And I will, ou plutôt que les différentes I will parties give était indissociable. A fairly straightforward example of how je vais prendre un exemple clair these policies qui montre do interact en quoi ces politiques and how sont indissociables it is important to understand to have a full understanding of all the five policies qu'il convient de bien comprendre l'ensemble des cinq politiques si l'on veut pouvoir crime, comprendre des crimes particuliers comme le déplacement forcé de population. I'll read briefly from document D199/26/2.35. Mr. President, with your permission, I can show that document on the screen if that makes it more convenient for everyone to follow. Si cela aide chacun à suivre. Would that be appropriate? Yes, please, you may proceed. Le Président, la Chambre vous autorise, je vous en prie. I should indicate this is a report of a speech given by Pol Pot on the 4th of October 1977 in Beijing. Pol Pot and here, Pékin, le Pol 4 Pot octobre is discussing the factors Pol considered important in the evacuation of the urban centres in 1975. If we could have that document on the screen now, please. Perhaps there's a technical difficulty. I might just continue because the passage I wish to read from technique. Is relatively je vais poursuivre brief. Car le passage est assez bref. At the English ERN 00390921, Khmer ERN 00633021, French ERN 00602498. 00602498, on trouve ce qui suit. Quote, one factor in the success of the revolutionary war in Cambodia, de la guerre révolutionnaire au Cambodge, he was reported as saying, had been the evacuation of city residents to the countryside. Des citadins vers la campagne. This had been decided in February 1975. Quote, because we knew that before the smashing of all sorts of enemy spy organizations, our strength was not strong enough to defend the revolutionary regime. And then he goes on to say, ensuite, il continue en disant, and I apologize for the ici, blurriness of the, of je the image, suis désolé he goes on de to say, que l'image the enemy's secret agent dit, network le réseau des lying agents low de l'ennemi in our country was very massive and complicated.
But when we crushed them, mais quand nous les avons it was écrasé, difficult for them to stage a comeback. D'organiser leur retour. Their forces were scattered leurs forces dispersées in various cooperatives which are qui in our grip. Sous notre domination. Thus, we have ainsi, the initiative, the initiative in our hands. The enemy dare not attack l'ennemi from outside. N'ose pas attaquer de l'extérieur. We submit in this brief passage, dans you ce bref see passage, the interplay between the policy with respect to enemies, the decision to evacuate the city, the urban centers, les agglomérations, and of course et, the use of cooperatives l'utilisation to enslave de cooperatives pour réduire la population en esclavage. What's interesting to note is that there are a number of references to this reasoning behind the forced evacuation. Another one appears in Kyusam Khan's book, which is document number D213.2, and also it is also document E3/16. Il porte aussi la cote E3/16. Je vous donne les URNs. 00498300 Khmer 00398300993 00380093 and French et français 00643907 00 I'm conscious of time. 39 I will just 07. Read very quickly or very briefly a part of this section of the book where Kyusam Pan also considers the issue of the evacuation of the cities. He's reflecting here on what he sees as omissions made by researchers who were looking into this issue. And he says, quote, they have made accusations against Pol Pot about the evacuation of the people from Phnom Penh and the provincial towns, but in making those accusations, they did not think about the incredibly difficult and violent-filled situation that the young and immature state authority faced. He goes on to discuss the existence of starvation in the city, but he also then goes on to say that the thing that might have led to greater danger for the young and immature state authority was the situation in which tens of thousands of people had already died and there were people who were lying in wait to keep on killing one another like that. These were very favorable conditions for the CIA agents to conduct sabotage and join with the remnants of the former Lon Nol army. And I will move on to a couple of lines below that, where he says, the greatest danger was that this rebellion and turmoil would create the opportunity for Vietnam to easily intervene from the outside and seize Kampuchea back from America, under the pretext of coming to rescue it. At the time, in actuality, like it or not, the CIA and the Vietnamese communists were joining together to kill the new state authority. And there you have it. Pol Pot and Khieu Samphan, both apparently making a connection between the need to evacuate the cities and the perceived danger of enemies and the need to deal with them. Your Honours, I am happy to stop here. I'm mindful of time. And with your leave, je vais I'm happy devoir to resume en rester là. Si vous m'autorisez, je serai prêt à poursuivre après la pause. The President, thank you. Le Président. The time is now appropriate for lunch adjournment. Le moment est venu de prendre la pause déjeuner. The court will adjourn now and resume at nous allons donc lever l'audience et reprendre this afternoon à 13h30. Is now on his feet. You may proceed. Thank you, Mr. President. Good morning. Very briefly, Nunchia would like to be excused this afternoon to retire to the holding cell, follow the proceedings from there. We've prepared the necessary documents. We'll submit them to the greffiers. Thank you. Merci. President. Thank you. Le Président. Having heard the request merci by Nguyen Chia through his defense counsel, demande de Nguyen Chia, présentée par le truchement de son avocat,
to excuse himself not to be present directly in this courtroom, but instead follow the proceeding through audiovisual means from the holding cell due to his health reason. De détention du tribunal, et ce pour des raisons de santé. And the defense has mentioned that they would submit the relevant document of waivers with the thumb print of the accused. Sur lequel figure the chamber grants leave for the accused to retire to the holding cell accordingly. La chambre fait droit à cette requête. But he is directed to follow the proceeding from the holding cell downstairs where the audiovisual equipment is linked donc les for him depuis to follow la cellule détention the proceedings. Audiovisuel. And the defense counsel is advised to submit to the chamber the letter of waivers. Maître, veuillez remettre le document immediately. Greffier. And the security guards are now instructed to bring the accused to the holding cell downstairs and bring Mr. Kilsenpont back to this courtroom before 1:30 this afternoon. And Mr. Nguyen-Chia shall remain in the holding cell. Following the proceeding by remote means, par moyen audiovisuel. The court is now adjourned. Somme d'une grande.